Bonjour tout le monde, une nouvelle fois, jour après jour, depuis quelques semaines, on se retrouve à 15h. Je vous avoue que ça m'aide à tenir, ça n'empêche pas, bien sûr, la tristesse qu'on a au fond de soi. Ça devient un peu pesant, disons que pendant ces 7h30, 2h, on se protège, on va dire, on met la tristesse un peu de côté, voilà. Donc je passe le bonjour à ma petite maman là-bas, en Savoie, à mon frère, à mes frères, ma belle-sœur. Je sais que ma belle-sœur Joëlle, qu'elle est souffrante. Bon, ça va un petit peu mieux, mais je lui fais un gros bisou aussi. Il sera transmis par son chéri. Et je passe le bonjour aussi à mes enfants. Mes enfants, que bien sûr j'ai des contacts, mais comme tout le monde, on se voit par message, par vidéo, et il n'y a plus le contact, c'est difficile. Puis mes petits-enfants, les petits, ils comprennent pas pourquoi ils ne voient plus mamie, papy, pourquoi mamie elle ne va plus les voir. Alors c'est pas évident non plus à gérer les émotions. Mais il n'y a pas, c'est pour la santé, et puis parfois plus grave encore. On se protège. Donc, je vous dis merci encore, comme tous les jours. Hein, je réponds pas à tout le monde personnellement, mais je mets un petit post pour tout le monde tous les jours pour vous dire merci d'être là. Comme j'ai dit au début, je le faisais, pour mes élèves, parce que, on se booste l'un l'autre pour tenir. Et puis, vous êtes venus vous ajouter, c'est super. Voilà. Vous avez remarqué, depuis 3-4 jours, je fais pas trop compliqué. Je fais des nouvelles débutantes pour les mettre. Voilà, la semaine prochaine, je vais attaquer les intermédiaires. J'ai une nouveauté à faire ou deux, on va bien voir. Et donc, puis les révisions d'intermédiaires. Donc, comme ça, j'ai remis des nouveautés en débutant, en révision, pour pas toujours, pour pas toujours remettre, je sais pas, je vais dire par exemple Green Earth ou Straight Down ou mes débutants, qui ont commencé en septembre et en janvier. Et comme ça, elles ont aussi des nouveautés. Et puis nous, ça nous fait des nouveautés aussi, qui seront, moi, personnellement, elles seront dans ce que je fais, entre guillemets, nouvelles, pour moi, ou peut-être pas pour vous, mais peut-être pour vous, moi, elles seront dans mes balles, ça c'est sûr. De toute façon, c'est des coups de cœur. Ce matin, je pianote sur Internet, je cherche une chorégraphie différente, débutante, comme je suis là, je suis dans la session débutante, je tombe sur Baby Redneck, et j'ai accroché tout de suite, quoi. J'ai dit la musique, God Bamford, c'est un de mes chanteurs aussi, des nombreux chanteurs que j'aime bien, et donc, puis j'ai trouvé la chorégraphie originale, et vraiment à portée de tout le monde, et aussi, des fois, la danse, elle peut être débutante, la musique géniale, et on peut avoir autant de plaisir sur une chorégraphie débutante avec une super musique qu'une chorégraphie qui vole, qui saute, qui tourne, qui tourne. Que là, après, chacun son truc, mais moi, je veux dire, une chorégraphie débutante qui m'accroche, qui a un coup de cœur, pour moi, j'ai autant de plaisir à danser qu'une 64 avec 5 tags et 3 hostas. Voilà, c'est ça que je voulais en venir. Mais voilà, donc je suis contente des choix que j'ai fait pour les débutantes et quelques novices. Donc la semaine prochaine, elles seront intercalées entre les intermédiaires qu'on fera en révision ou nouvelles. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc cette semaine, c'était une petite semaine de transition. Et puis, donc je me rebooste un peu pour refaire plus d'intermédiaires. Hein. Donc j'avais pas trop non plus le cœur entre guillemets à l'ouvrage cette semaine. Alors, donc on va repartir pour on n'est pas en retard, il est 15h03 et on va se remettre en route. Donc j'ai remis en première ligne Hold the Line, une bonne chorégraphie, la musique, c'est vrai qu'elle fait du bien, elle nous permet de nous couper de nous mettre un petit peu dans notre bulle aussi. Donc je vais aller voir le téléphone si c'est ok et je commence. Ok. Donc Hold the Line. Hein, j'ai mis le petit papier. Alors, chorégraphie d'Arnaud Marafa. J'ai vu Arnaud, il nous a fait un petit coucou ce matin sur. Il m'a fait un petit coucou sur en dessous du poste du tableau. Donc il était content de faire sa chorégraphie. Alors, marche, marche. Donc, marche, marche, rocking chair. C'est un rocking chair syncopé. Hein, c'est pas un rocking chair
Bon, ça, c'est vraiment le rocking chair, voilà, le balancement d'un rocking chair. Hein, bon, de toute façon, rocking chair, voilà, c'est un peu, on voit la chaise berçante. Et donc là, c'est syncopé. Donc ça fait rock. C'est comme si on faisait rock, step, voilà. On dit rocking chair parce que les deux rock steps sont du même côté. Alors, donc marche, marche, rocking chair, on fait deux fois. Hein. Donc marche, marche, rocking chair. Marche, marche, rocking chair. Pied droit devant, quart de tour, cross shuffle. On va faire un rock step latéral à gauche, rock step latéral à gauche, et un behind side cross, donc rock step, et on va faire derrière, à côté, croise. C'est ce que ça veut dire, behind side cross, behind derrière, side à côté et cross, croise, hein, behind side cross. On va faire une rumba modifiée, c'est-à-dire qu'on va faire un carré, donc rumba box à droite qui monte. Les côtés, ce sont des chassés. Donc, pied droit à droite, on rassemble, on fait un chassé avant droit. Pied gauche à gauche, on rassemble, on fait un chassé arrière gauche. Et on va faire un rock step arrière droit. Kick, ball change. Donc, étant donné qu'on est en rock step arrière droit, on va se servir de la jambe droite pour faire le kick, ball change. Donc, kick, ball change. Et donc, on a à ce moment-là le poids du corps sur la jambe gauche. Et on va finir par un jazz box. Un jazz box normal, le pied gauche devant et pas cross. On va refaire le mur de 12 heures et on enchaînera le mur de 9 heures. 7, 8. Marche, marche, rocking chair. Marche, marche, rocking chair. Quart de tour. Cross shuffle. Rock. Step behind side cross. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Rock step, kickball change et le jazz box. Marche, marche, rocking chair. Marche, marche, rocking chair. Quart de tour, cross shuffle. Rock step behind side cross. 1, 2, chassé avant droit. Chassé arrière gauche. Rock step. Kickball change et le jazz box. Alors encore une fois. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, facile, hein? Donc, deux tags dans cette chorégraphie-là. Alors, au quatrième mur, donc le mur de 3 heures, bon, on va le faire ensemble. Donc, on va faire les deux petits comptes, les quatre comptes du tag, à un moment donné. On sera face à 12 heures, hein. Donc, 7, 8, marche, marche, rocking chair. Marche, marche, rocking chair. Quart de tour. Cross shuffle, rock, step, behind side cross. Là, il y aura le tag. À droite, touch, à gauche, touch. Et on redémarre. Hein? Donc ça, c'est au quatrième mur. On va faire 12, 9, 6. Et le mur de 3 heures, qui sera dans la... Hop! Il y aura le petit, je vous le dirai. Et donc, un peu plus loin, donc au... 9e mur, donc... Hein, le troisième fois qu'on va être on va revenir à 12 heures. Et là, donc on va commencer le mur de 12 heures, on va arriver ici. Donc on aura fait le jazz box, hein, la fin. On va jusqu'à la fin. Voilà, jazz box normal. Et là, il y aura le gros tag, en fait, 8 comptes à droite. Donc c'est le petit jusqu'à 8, quoi. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc le petit qu'on aura fait tout à l'heure, multiplié par deux. Et on redémarre. Hein. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la danse. Allez, on y va. Celle-là, là, elle n'est pas trop difficile. Just got to hold on, we don't have to cry. Quart de tour,
crochet no saut, cross, step, plank, side, cross, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and I just wanna rest my head. Down to two, brush your foot, rock step, land side cross, 1, 2, 3, 4, you and I, five step, keep on changing the jazz bus, sometimes we're lost in the stray, and the whole far away, hold the line, down to two, brush your foot, rock step, land side cross, so let's just slide to the rain, to the heartache and pain, hold the line. Step behind side cross, 1, 2, Technicolor save me, painted in the sky. Rock step, kickball change le jazz box. And I just wanna rest my head and lay down with roses in our bed. They say heaven can wait, you and I. To hold on, we don't have to cry. No, not tonight. I know lately everything seems crazy. People passing by, just getting by. Sometimes we're lost and astray, and the hope far away. Hold the line, we'll survive. Step, yank, side, cross, 1, 2, 3, 4. Une bonne danse de mise en route, hein, qui nous aide bien à nous couper de la journée, quoi, nous mettre dans notre petit univers. Alors, All the Line, c'est fait. Alors, on va revoir alors, Guest Lounge. Donc, bien sûr, je l'avais promis, hein, j'ai dit jusqu'à vendredi, donc je tiens le coup. Là. Bon, j'espère qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu cette danse j'espère qu'il y en a beaucoup qui ont réussi à l'avoir grâce à ma volonté. Et de toute façon, les danses, elles sont dans les lives. Et comme elles sont le Guest Ranch est quasiment dans tous les lives depuis, avec le vendredi, ça fera 10 lives quasiment. Donc vous pouvez aller la revoir. Il y a la décompo à chaque fois, puis la danse. Hein. Donc vous aurez même, si là vous ne l'avez pas encore, vous pourrez aller les revoir dans 2 mois, il n'y a pas de souci. Alors, Guest Ranch. Donc j'ai mis la. Oui, on voit bien le nom. Hein. Donc, on va. Bon, je pense que les routines, elles doivent commencer à finir, les sections.
Et c'est surtout, je pense, au moment des restarts. Mais Ney et Crabbe, moi, je les ai pas eu non plus tout de suite. Hein, mais bon, déjà, quand on commence à faire la danse complètement... Puis là, je vous dis aussi franchement, quand vous serez en bal, la première fois, vous la danserez en bal, en l'ayant travaillé quand même... Ben là, on l'a quand même travaillé quasiment... on l'a retravaillé 10 fois. Puis de temps en temps, elle reviendra dans les lives. Et quand vous la dansez en bal, je veux dire, le fait de pas être toute seule... Alors, c'est très différent. Hein. Déjà, vous serez entouré. Vous aurez donc, même s'il y a le restart, il y en a qui vont dire restart, ou vous allez avec l'habitude, vous allez entendre, puis vous allez pouvoir exactement vous copier sur les voisins ou ceux devant. C'est pas pareil. Hein. Tout seul, c'est vrai qu'à apprendre, quand on l'apprend tout seul, il faut longtemps, parce que forcément, on n'a personne autour. Donc, je vous comprends. Mais je pense que c'est une danse qui est adorable, quoi. Je veux dire, c'est une super danse quand on la maîtrise, on s'amuse. Allez, Gestrange. Donc, stomp, 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 pause. Le pivot du talon, on revient, on fait kick et hook. Le vine à droite avec un quart de tour, pause. Comme j'ai déjà dit, les deux seules pauses sont là. Toute la danse, il n'y a pas d'autre pause. Hein. Pied gauche devant, trois quarts à droite. Et... toe strut, quand on revient à 12h, toe strut. On va refaire un rock step arrière droit, donc toe strut du côté droit, rock step arrière gauche et toe strut avec un quart de tour en plus. Je vous ai déjà expliqué hein, pourquoi, pour pas faire un sailor demi-tour, donc ça partage déjà. Donc, puis c'est dans la danse, c'est marqué, donc il faut faire le toe strut en quart de tour. On va déjà refaire jusque-là. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, on va faire un sailor step. Quart de tour à droite. Donc, sailor step, brush tout de suite avant gauche et step, lock, step, brush. Là, c'est scoot, itch, mais bon, je ne vais pas le redire, hein, la petite technique. Donc, moi, je fais des heel bones et je mets de la jambe droite pour tourner. Parce que les scoots, il faut sauter sur une jambe, c'est assez difficile. Hein. Donc, scoot, voilà, itch, scoot, itch, alors rock step. Donc, on vient de faire, je reprends ici, on vient de faire le demi-tour, on est là. Donc, rock step arrière droit, rock step avant droit. Rock step arrière droit, et c'est toujours là la petite perte de temps au début. Même moi, je me disais pourquoi je suis toujours en retard, mais en fait, il faut se servir du rebond du rock step pour aller faire donc step, lock, step et step, lock, step, hook. Du début. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors là, pause. Alors, hook, le premier est arrière et le dernier. Entre deux, c'est tout devant. Vous avez vu, c'est quand même, c'est assez rapide aussi là. Hein. Donc c'est pause hook, pause hook, pause hook, pause hook. Je repose pour expliquer. Donc on a fait pause hook. Là, on va faire une weave à droite, c'est-à-dire je la décompose. C'est un vine à droite et cross. Donc je vais vous faire voir la weave. Donc tout doucement. Voilà. Je vais mettre là pour que vous voyez bien. Donc on est ici. Donc la weave. Voilà. Et maintenant, on va faire un quart de tour. Un quart de tour à droite. Donc la jambe droite est derrière. Et en même temps, on va faire un rock step avant droit. Voilà. Voilà. Et on finit avec un quart de tour à droite. Donc on va mettre le pied droit à droite et stomp gauche. Et comme ça, on est en poids du corps gauche pour redémarrer. Stomp, 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 pause. Alors, on va faire la dernière routine. La dernière section, à partir de là, le dernier hook, là c'est pareil, c'est rapide. Donc c'est vraiment... Alors, il n'y a pas à réfléchir, c'est vraiment du tricot, quoi. Donc, je refais une fois. Donc, voilà. On la refait une fois du début en entier. 7,
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause, hook, pause, hook, pause, hook. Hook et la weave. Et stomp, 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 pause. Donc, bon, je pense que les suites de pas, ça commence à venir. Encore demain, encore vendredi. Puis après, on la mettra en... Il y a toujours la possibilité d'aller revoir. Soit à la fin d'une... Quand je l'aurai pas mis dans... Je l'aurai pas mis, je vous décomposerai juste les pas à la fin. J'en ferai les sections, hein, tout doucement, pour que vous puissiez bien... Et puis, donc, je vais vous remontrer par trois fois où il y a un restart. Au même... Alors, un coup, il sera là, un coup, il sera là. Hein. Mais pour déjà avoir la maîtrise de l'emplacement du restart. Donc... 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. En fait, on remplace le toe strut, on remplace par stomp pause. Comme ça, voilà. Hein? Alors, on essaye? Allez voir. Toujours. Bon, allez, on va essayer. Donc c'est très difficile de parler en même temps dans celle-là. Donc j'essaierai de vous dire, écoutez, pour déjà que vous entendiez le restart, mais elle est tellement rapide, c'est pas évident de parler en même temps. Hein. Step. Sunday fishing at the river where I caught catfish by the dozen. And everyone was buzzing about the girl with the fishing rod. Stomp, 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 pause. On entend, écoutez bien, restart qui arrive. Écoutez bien. Stomp, stomp, stomp,
Enfin, j'essaie de vous aider le plus possible, hein, mais il n'y a pas beaucoup de temps mort. Bon, j'espère que vous la revisionnerez. Et c'est dans de... Après, je sais pas, j'espère que le son sera gardé, c'est pas évident. Et donc, pour vous aider à entendre les stomp, 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 pause pour redémarrer. Hein. Bon. Je vais changer la petite affichette. Donc, dans ce numéro 3, un country feel. Donc, c'est déjà la troisième, je pense, ou la quatrième, je sais plus. Troisième fois sûr, quatrième, je sais plus. Country feels, alors une, deux, trois aujourd'hui. Voilà, troisième fois, country feel. Hein. Donc, quelques pas un peu durs. Ouais, 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 ouais. Bon, faut... Après, je fais du mieux que je peux. Hein. Après, il y a un peu de travail quand même de votre côté. Mais, comme je vous ai dit, tout seul, la danser, sans repère autour, sans pouvoir se rattraper en regardant, voilà, la country, c'est des danses de groupe, c'est difficile, c'est vrai. Si vous l'avez jamais appris avant et que vous l'avez appris là tout seul, vous verrez, au bal, vous allez vous dire, oh, mais je la trouve facile. Bon, allez, country feel. Donc, comme je vous l'ai dit hier, donc je regarde si c'est OK. Francine. Ben, merci. Merci tout le monde. Hein, si, c'est vrai que c'est une belle danse. Hein, elle sera encore en bas à un moment. Elle est agréable à danser. En fait, pour moi, c'est une danse dans le style de country road. Country road, pourquoi on la fera peut-être dans les vintage. Et c'est une danse dans ce style-là. C'est une danse qui va durer dans le temps. Qui va dans Guest Ranch. Alors, Country Fields, donc c'est une découverte, hein. Je l'avais déjà, mais je vais la faire en initiation, donc je vous la partage, hein. Donc 32 comptes, Pat Padre Star et Randy Hauser, beau cowboy chanteur, hein. Alors, bon, Country Fields, on va marcher droit et gauche, on va faire talon droit, talon gauche, talon, talon. On refait marche, marche et talon, talon. 7, 8, 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. On va faire rentrer le talon gauche et on fait un rock step avant droit, chassé arrière droit. On va reculer le pied gauche et le pied droit et on va faire un coaster step arrière gauche. Deux sections. On recommence. 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, coaster step. Alors là, on va mettre le pied droit devant, on va faire pointe gauche à gauche, on va faire un rock step, donc arrière gauche, rock step, et on revient pointer. Alors, ce qui nous fait, donc on vient de finir. Donc, coaster step. 1, 2, 3 et 4. 5, on va faire pareil là, du côté. Donc, 6, 7 et 8. On refait. Donc, on vient de faire le coaster step. Coaster step. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7. T8. On va faire un sailor step. Ici, on va faire un... Le fait qu'on a le pied droit pointé, il est déjà prêt. Il est déjà prêt pour faire un sailor step, quart de tour à droite. Donc, on va utiliser donc sailor step, arrière droit, quart de tour à droite. Hein. Pied gauche devant, demi-tour, chassé avant-gauche, de toute façon, avant-gauche. Alors là, ceux qui ne tournent pas, tout simplement, marche, marche, donc droit-gauche. Là, la courée, elle est finie. Donc après, on reprend la première routine, la première section. Marche, marche, talon, talon. Hein? Ceux qui ne tournent pas, le seul hic, on va dire la danse où il y a un full turn, il est là, donc vous faites marche droit, marche gauche. La danse est finie, on reprend marche, marche, etc. Tandis que nous, bon, on va arriver donc du demi-tour, chasse avant-gauche, full turn à gauche. Donc demi, demi et marche, marche, etc. Je reprends la danse du début, on enchaîne deux murs. Hein. 7, 8, 1, 2,
3 et 4 et 5, 6, 7 et 8 et rock. Step, chasse et arrière, recul gauche, droit et coaster step. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Ou marche-marche pour ceux qui ne tournent pas. 7, 8. Je vais mettre un petit peu de rythme. 7, 8. 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8 et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. On l'a déjà vu plusieurs fois. Je ne vais pas passer une demi-heure pour l'expliquer. Vous avez les vidéos, vous avez tout. Comme je mets les petits papiers, vous savez l'emplacement. Je marque au-dessus du live la danse, le numéro de la danse dans le film. Et comme ça, vous, en cliquant, de façon n'importe où vous cliquez, vous avez le nom de la danse. Et comme ça, vous dites, ah ben oui, c'est celle-là que j'aurais visée aujourd'hui, ou voilà, regardez pas. Hein. Donc, on remplace, je redis, donc le full turn par marche droite et marche gauche, et on redémarre la danse en même temps. Donc, c'est un petit marche-marche, vu que le full turn, donc c'est demi-demi. Donc, on a quand même avancé un peu. Donc, on fait marche-marche. Hein. Donc, allez, on y va. Country feels,
quart de tour, face à douceur. Ça va mieux en mieux, hein. Pour moi, hein, je parle là, pas pour vous. C'est des danses que j'ai appris, voilà, et les premières fois, je suis pas dans ma ligne, hein. Ah bah non, hein. Je suis hyper concentrée, je me plante parce que je pense au tag, ça va, ça va, il y en a pas. Bon, alors, on va boire un petit coup là, on va avant d'attaquer une intermédiaire en révision. Cool. Donc, bonne idée, la bascule là. Voilà, donc on va revoir Driving with the Brakes On. Donc c'est une super on m'a redemandé, il y en a qui ont loupé les apprentissages du début. Donc on me l'a demandé, je l'ai remontré parce que c'est super danse, super musique. Donc je vais boire un coup, puis après on revoit les explications, hein. Alors, Driving with the Brakes On, novice plus, on va dire fin de deuxième année, ouais, fin de deuxième année, début de troisième. Chorégraphie de Béatrix IDHC, le chanteur Doc Walker, si vous avez vu la vidéo, quand il chante, moi je mets ma télé, je mets la vidéo, je ferme les yeux, j'écoute, c'est trop beau. Driving with the Brakes On. Alors, on va commencer par des heel grind. Heel grind quart de tour. Donc, heel grind, donc talon droit, on pivote le talon, donc heel grind, et on fait quart de tour et rock step. Encore une fois, pour faire un deuxième quart de tour. Heel grind quart, rock step. On va recommencer à 6 heures, comme ça on aura déjà une partie de la danse face à 12 heures. Donc, les deux heel grind quart de tour avec rock step. 7, 8, donc 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pied droit devant, on stomp up gauche, à gauche à côté. On recule le pied gauche, stomp up droit, donc stomp up, le up ça veut dire que ça, hop, on va relever tout de suite, hein. On fait up, hop. Et donc j'étais arrivée donc au stomp, au pied droit devant, stomp up, pied gauche derrière, stomp up droit. Et on va faire un rock step arrière droit et un rock step avant droit. C'est pas rocking chair, hein, parce que rocking chair c'est avant arrière, là c'est arrière avant. Donc ce sont rock step et rock step. On recommence du début à 6 heures. Les heel grind quart de tour, les deux fois avec les rock step. 7, 8. Donc heel grind quart, rock step. Heel grind quart, rock step. Pied droit devant, stomp up. Pied gauche derrière, stomp up, rock step arrière droit, rock step avant droit. On va faire, alors pour ceux qui ne tournent pas, je leur fais voir tout de suite, comme ça ils sont contents, hein. Alors, donc on va faire toe strut arrière droit, toe strut arrière gauche et un coaster step. Et un coaster step. Alors je revérifie. Ouais, donc et coaster step. Donc ceux qui ne tournent pas. Donc on vient de faire rock step, alors. Ceux qui tournent pas, toast toi, et coaster, step, brush. Alors, ceux qui tournent, donc on vient de faire rock, step. Forcément, ce sont des toast toi en demi-tour à droite. Donc, toast toi, demi-tour, et coaster, step, et brush. Alors, brush, on pose à gauche, brush à côté, on pose à droite, brush à côté, on pose à gauche. On rentre le talon, alors c'est une petite astuce pour vous aider à faire le swivel. Donc on rentre le talon droit et on va faire comme ça. Alors je vais refaire avec les comptes, hein. Donc on va reprendre. Donc ceux qui ne tournent pas, parce que ça serait dommage, c'est une super danse et ça serait dommage que ceux qui ne tournent pas soient pénalisés juste pour cet endroit-là où il y a des toe strut en demi-tour, alors qu'on peut les faire sans tourner. Donc, on a fait rock step arrière, rock step avant. Ceux qui ne tournent pas, toast toi, coaster step, brush. Brush,
Brush, 7 et 8. Maintenant, ceux qui tournent. Après, on la reprend du début, hein. Donc, rock, step, toast, demi-tour et coaster, step. Brush, 7 et 8. Du début, tout ça avec les comptes. Ah ouais, on va commencer à 6 heures. Et green, quart de tour, rock step deux fois. 7, 8, droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va reculer. Droit, gauche, droit et pause. Et on va faire un demi-tour avec un rock step avant gauche. Donc demi-tour, rock step. Et on finit le demi-tour pour faire un tour complet. Et on va poser le pied gauche devant et il y a une pause. Alors, je vais vous le montrer ici, hein. Donc on est arrivé là. On est arrivé là. Alors, on recule droit, gauche, droit. Je regarde s'il y a une pause, hein. Je ne sais plus. Oui, il y a une pause, hein. Donc, ce qui fait. Donc, 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, 5, 6, on est revenu pour du corps droit. 6, demi-tour à gauche. 7 et 8, c'est une pause. On va refaire ce passage-là, donc on vient le faire là. 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On recommence du début jusque-là. Eagling, quart de tour, rock step. Eagling, quart de tour, rock step. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, rock, step, demi-tour de strut, demi-tour de strut et coaster, step, brush, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on va finir la danse, on va refaire une section, on va encore faire une fois, hein. Encore une fois, comme ça, c'est pas perdu, les décompos, vous les avez sur le live, hein. Alors, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On croise, on pointe. On croise, on pointe. On croise, pied gauche devant. Alors, on a croisé, on pointe, on ramène croisé, gauche devant. On touche derrière. On fait un side rock. Un side rock à droite. Quand on revient, on est revenu en poids du corps gauche. On fait un kick et croise. Et de l'autre côté, je vais le dire tout de suite, on va le travailler après, un scissor cross à gauche. Donc, scissor cross, et je regarde, scissor cross, il y a une, je regarde s'il y a une, scissor cross, je regarde s'il y a une, ici il y a une, side rock, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ouais, il y a une pause, après le scissor cross, on va revoir, il y a une pause, c'est pour vous le dire tout de suite. Donc, on est revenu ici. Donc, le rock step, demi-tour, et là, on est là. Pause. Bon. On croise, on pointe. On ramène devant, on touch derrière, et on fait un side rock à droite. Donc, on revient sur le poids du corps sur la jambe gauche. On fait un kick, et on croise. Et on va faire un scissor cross à gauche. Donc, pied gauche à gauche, on rapproche, on croise devant, et il y a une pause. On va refaire tout ça avec les comptes. Donc, on revient. On est là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. 1, 2, 3, 4. On refait jusque-là. Du début. 7, presque fini. Je vais voir le téléphone. Je veux pas me donner. C'est OK. Bon. Alors, Higwin. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Là, on va faire un full turn à gauche. Donc, demi, demi. Et stomp, stomp. Demi, demi. Donc, le full turn et donc, demi-tour. Donc, demi-tour à gauche. Demi, demi. Et stomp droit, stomp gauche. Stomp droit, stomp gauche. Alors, ceux qui ne tournent pas, encore un full turn, vous remplacez donc par marche, marche, stomp, stomp. Donc, marche droite, gauche, stomp, stomp, pour ceux qui ne tournent pas. Hein? Donc, on est arrivé, on reprend ici, on revient du rock step, on est là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on emploie du corps gauche ici. Alors on va faire un step, lock, step, arrière, arrière, droit, pardon, et un stomp gauche. On va mettre pied gauche à gauche, et il y a un slide, donc 6, 7 et 8. Donc la fin. Donc on a fait le full turn, stomp, stomp. Donc, step, lock, step, stomp. À gauche, on slide et stomp, stomp. On reprend ici. Donc, on revient du rock step. On va reprendre les dernières sections. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, on fait deux murs. Alors, il y a seulement un restart. Un restart au cinquième mur. Allez, 7, 8. Donc là, on va faire le mur de 12 heures. 7, 8, Higwin. Rock step, Higwin, rock step. Rock step arrière, rock step avant, demi tour toastrot, coaster step. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8. On recule droit, gauche, droit. Pause, rock step, demi tour, pause. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stomp, stomp et step, lock, step, stomp, à gauche, slide, stomp, stomp. Mur de 6 heures. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je la remettrai entre deux. Là, je vous ai dit, on a fait une palette de débutantes nouvelles. Et donc, ça, ce sera des danses intermédiaires qui vont revenir dans les révisions, ça c'est sûr. Donc, on va essayer de la danser aujourd'hui, on va redégrossir la danse. Donc, un seul restart, je vous dirai. Donc, le restart, il est
Il est pendant un mur de 12 heures. Il sera donc. On aura fait le coaster step. Alors. Mais je crois qu'on sera face à 6 heures, je ne sais plus. En fait, l'épin, il sera juste après. Donc, on aura fait 6, 7 et 8. On aura fait le suivette. Hein, le suivette. Et là, donc, on repart. Donc, on est bien pour repartir en Egwin, quart de tour. Hein. Allez. Donc, driving. C'est sûr que c'est plus difficile les intermédiaires à les apprendre comme ça. Hein. Driving through the long night, trying to figure who's right and who's wrong. Comme tout Australien, coaster step, rush. Recule. She pulls on a match light, glowing bronze. Full turn. Steering step, love, on. Step, side. And I might be more of a man if I stop this in its tracks and say, come on. Go, step, let's step, go brush. Home. But she's got the wheel. I've got nothing except what I have. Le 6 heures, full turn. Step, lock, step, stomp, slide. Driving with the brakes on. When you're swimming. Demi-tour de stride. Coaster, step, brush. It's hard to say. Okay. Hard to see you don't. Full turn, stomp, stomp, step, lock, step, slide, stomp, stomp. Trying to keep the mood right, trying to steer the conversation from. Dans sa demi-tour. The thing we've done. She shuts up the ashtray. I say it's a long way back now home. Full turn, stomp, stomp, step, lock, step, stomp. Début. But she's got the wheel, and I've got to deal from now on. On attend le restart. Maintenant. When you're driving with the brakes on. Swimming with your boots on. It's hard to say you love someone. Hard to say you love someone. And it's hard to say you don't. And unless the moon falls tonight, unless God. Nothing's gonna make me break from her side. Step, step, left, step, stop, slide. Driving with the brakes on. When you're swimming with your boots on. J'avais un petit peu, j'ai pris un peu de retard, donc j'ai rattrapé après sur le mur d'après. Alors, c'est une danse aussi à travailler. Hein.
kick et cross. Ouais. Je vais faire voir cette section-là. J'ai vu. Donc, kick. Alors, on croise. On pointe. On croise. On fait un side rock. Quand on est revenu là, kick, cross. Scissor. Scissor, cross, pause. Donc, full turn. Stomp droit, stomp gauche. Et on part en step lock, step arrière. Stomp, pied gauche à gauche, slide. Et 7, 8 pour redémarrer. Voilà. Fais petites explications. Les petites explications. On va boire un petit coup avant d'entamer la nouvelle danse d'aujourd'hui. Donc c'est Baby Redneck. Alors c'est la nouvelle. C'est une petite bijou que j'ai trouvée ce matin. Je disais à quoi je peux m'accrocher aujourd'hui. J'ai cherché. Donc je ne sais même pas. Je regardais un petit peu à droite à gauche. Et j'ai trouvé cette petite danse. Donc God Bamford. Et je ne savais même pas qu'il y avait déjà une choré dessus. Une autre choré. Bon, une choré intermédiaire. Après, bon, bah, s'il y en a qui font l'intermédiaire, il y aura les deux sur la piste. On va boire un petit coup, là. C'est sûr que en live, pour les intermédiaires, c'est un peu plus dur, hein, quand même. Hein. C'est... Bah, même moi, aussi, il faut que... Ben voilà, c'est tout seul, quoi. Donc, Baby Redneck. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ? Est-il possible d'avoir le PDF ? Alors, le PDF, alors sur ma page Facebook, tu descendras un petit peu et tu verras, j'ai fait un album dans mes albums. J'ai fait un album avec les PDF de toutes les nouveautés que je fais. Donc ce soir, je mettrai le PDF de Baby Redneck. Et donc, j'ai tout compilé, j'ai tout rassemblé. Pour les nouveautés, hein, les nouveautés comme la Driving with the Brakes On, comment ça s'appelle, On the Wave, bah aussi celle qu'on a fait tout à l'heure là. Par exemple, j'ai mis Country Fields, On the Wave, By and By, Sunday Driver qu'on a fait aussi au début de la semaine. Donc, toutes les nouveautés, j'entends bien, les nouveautés pour moi. Pour mes groupes, hein. Après vous l'avez, vous avez peut-être fait, hein. Donc je l'ai mis, j'ai fait un album sur ma page Facebook, vous trouverez album et JPEG des danses. Alors, j'essaye de mettre tout à disposition et tout. Donc sur mon blog, je compile, je mets toutes les, ben, je mets les lives, les liens des lives, faut pas les rechercher sur la page Facebook. Et puis je mets en dessous donc toutes les danses qui sont dans le live avec des animateurs, hein, qui les font. Donc comme ça on sait bien ce qui a été fait dans le live. Hein. Alors on va voir celle-là. Donc 32 comptes, 4 murs, pas de tag, pas de restart. Donc c'est une chorégraphie de deux chorégraphes, donc Francesca Catalan et Christiane Niffl. Je les connais pas, mais j'ai vraiment, c'est un hasard. Je suis tombée comme ça sur cette chorégraphie, j'ai regardé, waouh, j'ai fait ça, waouh. Et voilà, j'ai accroché tout de suite, j'ai pas cherché, voilà. Bon, c'est comme ça, hein. Quand j'ai une idée sur une danse, je vais pas voir s'il y en a 10 versions, je fais, voilà, c'est celle où j'ai fait, waouh. Voilà, c'est tout. Alors, on va faire marche-marche. Donc, j'ai bien mis l'étiquette, ouais. Alors, marche-marche, alors, marche droit. Gauche, et on va faire un side rock cross à droite. Donc, side rock, et on revient poser le pied droit devant. On va faire marche, marche. Donc, marche gauche, cette fois, marche droit. Et on va faire un side rock du côté gauche. Donc, rock step, et on revient poser le pied gauche devant. Je vais le mettre plus loin, parce que on marche, marche, marche. Donc, ce sont bien des side rock. Hein, ouais. 7, 8. Marche, marche. Side rock. Cross, marche, marche, side rock, cross. Alors c'est une 4 murs, c'est une 4 murs, donc je vais mettre comme ça pour vous la faire. Hein. 7, 8, marche, marche, side rock, cross, marche, marche, side rock, cross. Je vais reculer un peu, il n'y a pas assez de place ici, hein. Donc je vais refaire une fois, je vais commencer là. 7, 8, marche, marche, side rock cross, marche, marche, side rock cross.
Alors là, on va lever le genou droit. Alors, on va lever le genou droit. Je vais le décomposer, hein, pour ceux qui n'ont jamais fait. On va faire un flic. Flic, c'est quand on jette le talon. Là, c'est arrière droit, donc un petit peu sur le côté. Donc, on va faire un flic. On va faire un slap. C'est quand on tape le talon avec la main. Alors, on va faire un slap. Donc, ça va faire. Donc, on est là. Donc, 1 et 2. Alors, le talon, des fois, ça fait loin. Il faut que je reste concentré. Donc, 1 et 2. Alors, avec la main droite, on tape à l'extérieur. Avec la main gauche, on tape à l'intérieur. Et on repose le pied. Alors, ce qui fait 1 et 2. C'est bien ça? Je revérifie. Hein. 1 et 2, ouais. Alors, on va refaire marche-main. On va refaire les pas. On va ajouter le 1 et 2. 7, 8. Marche, marche, side rock cross. Marche, marche, side rock cross. 1 et 2. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller toucher le talon. Hein. On peut toucher aussi intérieur. Voilà, ça fait ça. Slap extérieur avec la main droite. Slap intérieur avec la main gauche. Et on repose. Donc, 1 et 2. On pose le pied gauche devant. On pose le pied gauche devant. On fait un demi-tour, pied gauche devant. Alors, ce qui fait... Donc, 1 et 2, 3 et 4. Donc, on fait 3 et 4. On refait 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4. Et ici, c'est step, lock, step, avant droit, scuff gauche, step, lock, step, avant gauche, scuff droit. 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 7 et 8. On va refaire jusque-là. Je mets à douceur, hein. 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. On va faire un jazz box, donc un jazz box normal ici. Donc après les step, lock, step, avant droit, avant gauche, on a fait le petit scuff avant droit, scuff, et donc là on va croiser pour faire un jazz box, voilà, normal. Le pied gauche revient à côté. Et là, on va faire un trois quarts de tour à gauche, donc pour se repérer. C'est le mur de... Comme c'est à gauche, ce sera le mur de l'épaule droite. Trois quarts de tour à gauche en marchant. Donc, on a fait... Donc, le jazz box, c'est 1, 2, 3, 4. On va faire trois quarts à gauche. 5, 6, 7 et 8. 8, on a fait le trois quarts et on emploie du corps gauche. On va déjà refaire jusque-là. Hein. Elle n'est pas rapide, hein, je vous assure. Hein. 7, 8. Marche, marche, side rock cross. Marche, marche, side rock cross. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8 et le jazz box normal. Et 8. On va finir la danse, hein, puis on la répétera plusieurs fois. Donc on va faire vaudeville. Donc forcément, on est en peau du corps gauche, donc vaudeville avec la jambe droite, donc vaudeville, on ramène, vaudeville, on ramène, et on va faire pied droit devant, demi-tour, donc step, turn, et step, turn. La danse est finie. On recommence. 7, 8, marche, marche, side rock cross, marche, marche, side rock cross. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 3 quarts, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, vaudeville, 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 step, turn, c'est à peu près la vitesse de la danse, hein. Franchement,
Donc step down, step down. Pied gauche devant, pied droit devant, demi-tour, pied droit devant, demi-tour. 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vaudeville, vaudeville, step, turn, step, turn. Mur de 6 heures. Il n'y a pas de tag, pas de restart. C'est déjà bien. Hein? 7, 8. Marche, marche, side rock cross. Marche, marche, side rock cross. 1 et 2. 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouais, c'est ça. Le jazz box, c'est le 3 quarts de tour à gauche. Marche, marche. 8. Donc, vaudeville, vaudeville, 5, 6, 7 et 8. Mur de 3 heures. 7, 8. Marche, marche. Side rock cross. Marche, marche. Side rock cross. 1 et 2. Donc, 1 et 2. 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vaudeville, vaudeville, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est pas évident, hein, vous avez vu? Donc, c'est pareil, hein, quand on a fait Country Feel la première fois, ou The Wave, enfin, toutes les nouveautés qu'on a fait, les premières fois, ben, c'est les premières fois, hein, voilà. Après, quand on l'a dansé plusieurs fois, et puis... Donc, moi, j'ai le stress d'être là, toute seule, devant vous. Et en plus, donc, c'est pas évident. Bon, mais on va y arriver, hein. C'est un cours. Quand c'est un cours, on va s'y reprendre plusieurs fois, puis ça va aller, hein. Donc, je vais vous remontrer, donc, le flic... Donc, on a fait au side rock à gauche. Donc, on fait 1 et 2. Donc, ce qui fait qu'on peut faire aller, donc flic, flic. Donc, un petit peu intérieur et pause. Donc, 1 et 2. Après, si vous ne pouvez pas toucher plus bas, vous pouvez toucher l'extérieur du talon, du genou par exemple. Donc, 1 et 2. Voilà. Hein. Chacun du moment qu'il y a 1 et 2. Donc, on refait le mur de 12 heures. 7, 8. Marche, marche, side rock cross. Marche, marche, side rock cross. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vaudeville, vaudeville, step, turn, step, turn. Bon, on va essayer. Si je me plante, j'arrête. Disons qu'on a fait une petite mise en route, hein. Okay. Oh, bah non. Oh, c'est énervant. Bon. Pff, Babi, où est-ce qu'elle est? Alors. Non, c'est pas ça. Si. Oh, je l'avais, hein. C'est énervant. Baby Redneck. Donc, B. Baby. D. Red. Bon. Attendez. Bah, révisez pendant ce temps-là. Elle ne veut plus s'afficher sur mon téléphone. Attendez. Je suis là. Hein. Donc, mais non. Donc, c'est calé. Attendez. P3. Oh, ben mince, je la trouve pas. Attendez, hein. Je l'ai fait aller tout à l'heure mon téléphone en plus.
Alors c'est Gord Bamford. Gord Bamford. Bamford. Bon, mince alors. Attendez, hein. Bon, pourquoi je la trouve pas? Attendez, hein. Attends, je l'ai mis, hein. Il ne veut pas s'afficher. Alors. Ah ben, s'il est là. Alors, en fait, vous savez pourquoi? Parce que je ne l'ai pas renommé. Je l'ai mis dans mon téléphone et je ne l'ai pas renommé. Allez, du coup, je fais voir un mur. En fait, j'ai laissé le titre, j'ai copié comme ça, je l'ai acheté tout à l'heure, donc je l'ai copié dans mon téléphone, mais je ne l'ai pas renommé avec le nom de la danse. Alors, je peux chercher longtemps, hein, mais tout à l'heure, je l'ai fait aller, je savais. Alors, on la refait une fois. 7, 8. Marche, marche, side rock cross. Marche, marche, side rock cross. 1 et 2. 3 et 4. Step, lock, step, scuff, step, lock, step. Le jazz box. Et le trois quarts de tour. Vaudeville, vaudeville. Step, turn, step, turn. Voilà. Ça fait du bien de la revoir quand même. Hein. Allez, on va y aller. Donc, intro, il y a une intro. Allez. Now you can't take the small town country girl out of her. She's hillbilly banjo, hip hop rap, and a boat on the fire, rips on the tracks. Smoke them if you got them, drink them till the end of your step, love, step, 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 love, step. Cut off shorts and a camo cap. Hashtag redneck. He's got a 99 jersey and a white-tail rack, hanging on the wall by his coveralls and his fishing shirt. He's got a pimped-out tractor, pontoon and a slip. Elle est belle la musique. Alors, chez nous dans la région, on fait celle de Séverine qui est intermédiaire. Ouais, je sais. En fait, comme j'ai dit, je redis,
J'ai cherché ce matin, en fouinant comme ça, une danse, quelque chose qui me touche au cœur pour, en fait, j'essaye de faire des belles danses pour, en chercher débutant. Je suis tombée sur cette chorégraphie. Et je savais pas qu'il y avait une autre choré dessus. Parce que moi, quand je trouve une chorégraphie, alors, j'ai un coup de cœur, c'est tout. Je vais pas voir s'il y a d'autres chorégraphies. C'est pour ça. Après, voilà. Mais moi, je trouve que la musique, elle vaut le coup d'être en balle avec deux danses, une débutante et une novice intermédiaire ou intermédiaire. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai eu coup de cœur pour celle-là et je ne savais pas quand je l'ai appris, je l'ai su par quelqu'un tout à l'heure, bien après ce matin, parce que j'ai regardé ce matin tôt, qu'il y avait une autre choré. Mais comme je vous dis, moi, j'ai un coup de cœur, c'est tout. Je vais pas chercher s'il y a 10 chorés dessus. Voilà, c'est un coup de cœur, c'est la musique là, c'est la danse là que je veux, point. Après, bon, chacun fait un petit peu. Bon, après, j'ai rien contre celle de Séverine Fillon, mais moi, c'est celle-là que j'ai eu coup de cœur. Donc, et puis, voilà, comme ça, les débutants, ça leur change aussi. Parce que des danses intermédiaires, on en a... La semaine prochaine, je vais vous en faire une, voire deux. Vous ne connaissez pas. Bon, ben, je veux dire, on en laisse un petit peu aux débutants aussi des belles musiques. Parce que nous, les inters, on a quand même de quoi faire. Hein, et il y a de quoi faire. Hein, j'arriverai jamais, j'aurai pas assez de ma vie pour vous faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc, on va la refaire. Hein. Donc, je l'ai bien. Ben oui, hein, c'est... Voilà. En plus, coucou, il est... Ou l'album des fiches PDF et des nouvelles danses. Bah si, bah regarde sur ma page, Brigitte, tu déroules et tu vas voir, il y a un album où tu tapes sur ma page, ou album, ta photo, tu sais, ta photo, quand tu cliques sur les photos, à côté, ta photo ou album. Bah, et puis, donc, tu as tout... Mais je l'ai pas encore mis, je vais la mettre tout à l'heure, hein, sur Facebook, le PDF de Baby Redneck. Donc... ça là c'est Baby Redneck, donc baby ça veut dire petit, donc on peut comprendre que c'est pour débutants, voilà, hein, Redneck. On va la refaire une fois, parce que moi c'est pareil, je l'ai apprise ce matin, un petit peu après-midi avant de descendre, et voilà, j'ai besoin aussi de la travailler, comme vous, et quand c'est une nouvelle, être toute seule, c'est pas évident, je vous le dis, c'est pas évident. Allez, on va la refaire, hein. Donc voilà, c'est une bonne musique, en plus le chanteur... on ne va pas dire, on va pas. Alors, c'est simplement pour un petit partage de danse. Ben voilà, bien sûr, voilà, exactement. Donc, ben comme ça, sur cette belle musique, il y aura les inters et puis les débutants. De toute façon, c'est de plus en plus maintenant. Hein. Maintenant, du moment que c'est vrai que quand c'est rageant, des fois, on a des débutants qui disent, oh, elle est belle la musique là, mais il n'y a pas de choré dessus. Alors, voilà, ça peut être rageant. Ben là, voilà, moi, je suis contente pour eux. Après, voilà, les inters sont contents pour eux aussi. Allez. C'est un partage de la piste, hein, voilà. C'est vrai que quand il y a de belles musiques, on a tous envie de danser sur la musique, hein. But you're still gonna be trois quarts de tour à gauche. Down to earth. Now you can't take a small town country girl out of her. She's hellbent on banjo, hip hop, rock and roll on the fire, rips on the rack, smoke them if you got 'em, drink 'em till the yeti runs dry. Jackpot. Cut off shorts and a camo cap. Hashtag redneck. He's got a 99 jersey. And a white tan ride. Je me suis plantée, j'ai armé. Oh. Ça, c'est parce que c'est une nouveauté. Alors, j'ai la pression. Et... pas grave, on s'exerce. Allez. But she's still gonna be down to earth. Oh, David. Now you can't take a small town country girl out of her. She's
redneck. He's got a 99 jersey and a white tail rack. What does he mean? Hanging on the wall by his coveralls and his fishing shack. En fait, c'est l'émotion et la capture de la musique, et puis l'émotion, et puis que c'est une nouveauté. Voilà, comme au cours. Alors, comme je dis toujours, bon, j'aurais été au cours, admettons, sur l'estrade. Hein. Quand je serais arrivée là, je me serais plantée, hop, bah, j'aurais suivi, et puis j'aurais repris, ça se serait même pas vu. Alors, bon, ben bah, voilà, hein, c'est du direct. Bon, on a encore, on va la travailler, hein, mais elle est sympa. Hein. Allez. Donc, bravo, hein, je vous applaudis si vous avez été jusqu'au bout. Donc, Baby Redneck. Donc on peut féliciter donc comment s'appelle les chorégraphes. C'est quelle est ma fiche. On peut féliciter donc Francesca Catalan et Christiane Nifle. Donc c'est une chorégraphie de septembre 2019. Donc c'est une façon de faire différente. Moi j'aime bien le flic là, le flic slap pose. Je trouve que c'est original. Puis je sais pas là, mais bon. Ah, c'est comme les autres, hein. je me suis plantée quand c'est nouveau. Bon. Mais ça, c'est l'émotion de la musique. En fait. Quand c'est une belle musique, je suis tellement émue aussi que ça me déconcentre. Voilà. Et je suis toute seule. Hein. Oh. Bon, allez, on va passer aux choses sérieuses. On the Wave. Donc, où est-ce qu'elle est, l'affiche? Donc, celle-là, on l'a vue aussi. On l'a déjà regardée sur mon téléphone, ça va. Un Christian. Donc, n'ayez crainte, là. De toute façon, l'affiche, je la partage tout à l'heure, hein, comme d'habitude, hein, quand c'est une nouveauté. Là, c'est une nouveauté pour moi et pour mes groupes aussi. Donc, quand c'est nouveau, voilà, je la partage. Je vais pas, par exemple, une chorégraphie que je sais que tout le monde fait, je vais pas partager l'affiche. Ça, c'est une nouveauté. Donc, l'album, je vais la mettre dans l'album et l'album réapparaîtra pour ceux qui veulent voir les nouveautés qu'on a fait avec les PDF. On the Wave, c'est une petite nouveauté qu'on a fait hier ou avant-hier. Je ne sais plus, ça passe tellement vite. Ça passe vite quand même. Hein. Et, débutant, 32 temps, 2 murs et 2 restarts. Donc les restarts sont après les mêmes pas. On va dire donc ça aide quand même. Allez, hier c'est pareil. Hier c'était nouveau pour moi. Hier, bon, je me suis. Ouais, la première fois, je suis partie trop en avance. C'est le stress, c'est l'émotion. Et de savoir que quand je vais changer de mur, qu'il n'y a personne. Pour des fois me rattraper ou quoi, c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, après, voilà, je suis humaine et puis ça fait vrai cours, au moins. Hein, ça fait vrai cours. Allez, on y va, on the wave. Marche, marche. Donc, marche, marche, kick, ball, step avant droit. Kick, ball, step.
step avant droit, rock step avant droit et chasser arrière droit. On va reculer le pied gauche et pied droit et on va faire un coaster cross. Donc coaster et cross. Un coaster cross arrière gauche. 7, 8. Marche, marche, kick, ball, step. Rock, step, chasser arrière. Recul gauche, droit et coaster cross. Coaster cross. Hein? Donc on est croisé. On va faire un rock step, side rock à droite. Donc rock step et cross shuffle. On va refaire jusque là avec les comptes. 7, 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On va faire un side rock, un rock step latéral à gauche, rock step, et on va faire un sailor step quart de tour à gauche. Donc rock step et sailor step. Donc on déplace bien, on fait bien le rond de jambe pour faire le sailor step. Pied droit devant, quart de tour, et on va faire un cross shuffle. Cross shuffle. On refait jusque là. Je vais regarder, j'ai entendu sonner. Non, c'est ok. Bon. Alors, 7, 8. Marche, marche, kick, ball, step. Rock, step, chassé arrière. Recul gauche, droit et coaster cross. Oui. Et side, rock et cross shuffle. Rock step latéral et on va faire un sailor step quart de tour. Pied droit devant, quart de tour et cross shuffle. On va finir, puis je la refais à 6 heures, hein, c'est une demi-heure. On va faire un rock step latéral à gauche, donc rock step. On va faire des rock step syncopés en fait, donc rock step à gauche. On revient en rapprochant pied gauche à côté du pied droit. On fait un rock step latéral, donc à droite, donc side rock et side together. Donc, alors, rock step latéral à gauche, on revient, on rassemble, on met pied droit à droite, on rassemble les poids du corps gauche, vous rappelez, parce qu'on finit avec un row king chair du côté droit. Je vais vous montrer donc la dernière section ici. Donc, on revient du rock step cross shuffle. Donc, on est là, donc 1, 2 et 3, 4. Rock, king, chair. Voilà, refaire. C'est pas évident, hein, c'est pas là. Donc, rock, step. On rassemble, on met pied droit à droite. On rassemble le pied gauche à côté. On met le poids du corps gauche. Et row, king, chair. On va refaire une fois cette section-là, après je la refais du début. 7, 8. Donc, rock, step. Et row, king, chair. Donc, du début. Je vais faire 12 heures, on va refaire ici à 6 heures. 7, 8, marche, marche, kick, ball, step. Rock, step avant droit, chassé arrière droit, recul gauche, droit et coaster, cross. Rock, step, cross, shuffle. Rock, step et sailor, quart de tour. Cross, shuffle, rock, step, rassemble et row, king, chair. 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, no tag, no restart. Deux restarts, pardon. Débutante. Alors, les deux tags, les deux restarts sont pendant des murs de 6 heures. Alors, c'est-à-dire, on va faire un mur de 6 heures. Donc, le quatrième mur, donc les restarts sont au quatrième et au huitième mur. Donc, au quatrième mur, admettons, on va faire le quatrième mur qui va être un mur où il y aura le restart. 7, 8. Marche. Marche,
Kickball step, rock step, chasse arrière, recul gauche, droit et coaster cross, rock step, cross shuffle, rock step, sailor carré, quart de tour star. Donc on aura fait quart et de là, un, deux, etc. Par deux fois, donc restart au même endroit, donc pendant des minutes de 6 heures, donc face à 12 heures, donc après le quart de tour. Bon, ça va venir à l'usage aussi, c'est encore nouveau. Hein. Allez, on the wave. On peut regarder au téléphone. Allô. C'est énervant, hein. Allô. Allez. L'armée parce que j'ai confondu avec une autre danse. Oh, là, là, là. Sunset over Galway. See the twilight merge to dawn. Hear the waves caress the shoreline as the hurling carries on. I've been walking these shores all my days, but with you by my side, I am walking on the waves. I've been shores all my days, but with you by my side, I am walking on the waves. There's two lovers on the cloud, and they walk them to the sun. Tomorrow's sky.
turning of the seasons and the cycle of the days. Every drink's another reason to let tomorrow sail away. I've been walking, walking these shores all my days, but with you by my side, I am walking on the waves. I've been walking, walking these shores all my days, but with you by my side, I am walking on the waves. I've been walking, walking these shores all my days, but with you by my side, I am walking on the waves. J'ai eu un béli mélou au début là. Bon, ça va, ça a été à peu près. Encore un petit peu la peur de me planter. Donc, on a fait. On the wave. Pareil, on verra encore tous ces danseurs, on les verra encore demain. Hein. Donc, maintenant, on va voir Bye and Bye, la chorégraphie de Christelle Durand. Donc on l'a déjà travaillé trois fois aussi. Donc c'est pareil, hein, c'est une débutante, mais je crois qu'on a tous été un petit peu surpris par la rapidité, un petit peu de la danse. Donc la rapidité, puis belle musique et belle danse. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça fait partie des bonnes petites débutantes dans un bal à casser entre deux, entre les intermédiaires. Donc, Bye and Bye, donc chorégraphie de Christelle Durand, 32 temps, 4 murs, donc un break, le break, il est ici, donc il est, vous allez rire, hein. 4 au 4, 16, 17, 18e mur, autant dire qu'on a fait 95% de la danse, il reste un petit peu, donc le break. Donc ça s'arrête, on va vraiment jusqu'au bout. Même moi, j'entendais le break et je m'arrêtais avant. Vous savez, c'est les trucs du début, quand on apprend les danses, en plus quand on les apprend tout seul et qu'on doit les initier, ça, voilà, on est tellement concentré, il faut que je dise le break, ben voilà, ça c'est moi, hein, voilà. Je ne suis pas parfaite, hein, pour assurer, loin de là. Donc, alors on va faire la danse jusqu'au bout. Donc on a fait, là je réexplique juste pour le break. Donc pied droit devant, touch, on pose, on fait kick. Puis je vous ai expliqué pour la petite bascule arrière pour faire le heel. Donc le heel, pose et le brush. Donc on va vraiment jusqu'au bout, brush. Et là on attend, on compte, il y a 8 comptes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc à 8, on doit être en poids du corps gauche parce qu'on redémarre, donc talon droit, talon gauche, etc. Donc si vous avez regardé la vidéo de Christophe, partagé sur le blog, donc on la voit à un moment, donc on arrive là, elle fait le pied, elle compte 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8, donc voilà. Il faut un petit peu de temps toujours pour les trucs, surtout que la chorégraphie elle est quand même assez rapide, hein. Alors on va revoir les pas, talon droit, talon gauche, donc talon droit ramène, talon gauche ramène, pied droit à droite touch, pied gauche à gauche touch. Alors comme je vous ai déjà dit, les touch claps, et moi les claps, je les fais pas, voilà, c'est un petit souci d'épaule. Donc vraiment, quand il y en a qu'on ne peut pas faire autrement, dans certaines danses, voilà, il y a des claps, moi je mets plutôt la main comme ça à la ceinture. Après, donc c'est touch clap, mais je l'ai dit quand même, je dis touch clap, même si je les fais pas, faut pas copier sur moi. Hein. Vous regarderez Christelle, elle les fait bien dans. De toute façon, les touch claps là, elle les fait bien dans la chorégraphie. Alors, 7, 8, donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on refait. Talon droit ramène, talon gauche ramène. Et là, vine à droite, touch. Voilà. Ici, pied gauche à gauche, touch. Pied droit à droite, touch. Et on va faire un vine à gauche avec un quart de tour. Avec un brush, scuff. Scuff, brush. On refait jusque-là. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose le pied droit devant, on fait touch gauche derrière, on repose le pied gauche, on fait un kick avant droit, sans mettre le pied droit derrière, on fait une petite bascule, comme ça le talon il se met tout seul,
on repose un petit scuff. Donc, scuff pour se préparer à refaire talon, talon. Hein. Celle-là, c'est pareil. Hein. Au début, on ne l'a pas eu nickel tout de suite. Hein. Alors, on va faire le mur de 9 heures. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, le vine à droite, touch à gauche, touch à droite, touch, vine à gauche, quel tour. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Talon, talon, à droite, touch à gauche, touch, talon, talon. Le vine à droite, touch à gauche, touch à droite, touch le vine à gauche, car. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, etc. Ça va seulement mieux, de mieux en mieux. Ça se lit. Ça se lit et c'est vrai que il a fallu un petit peu de temps. Hein. On est surpris. Mais c'est les, en fait, c'est pas la danse, c'est les automatismes des danses d'avant qui reviennent et c'est terrible. Hein. C'est comme tout à l'heure dans The Web, j'étais partie dans une danse, dans une routine d'une autre danse. Bon, comme on était au début, je vais la remettre. Donc, by and by. Donc, le break, je répète, on restera donc au 18e mur. Donc, on va vraiment jusqu'au bout. Donc, on aura fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, là, on pose. Donc, on pose le pied droit et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, c'est bum, pose, bum, pose, bum, 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 bum. Du coup, au bout, on est en poids du corps gauche pour redémarrer la danse. Donc, c'est vraiment loin. De toute façon, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. C'est ça aussi qui est perturbant. Il n'y a vraiment plus rien. Alors, mais on faut aller au bout. Allez. Donc, je regarde si c'est OK pour... Donc, by and by. Musique, elle est jolie aussi, hein. I've been driving, driving on down the highway, trying to find the right way in a world that's gone a little crazy. I've been listening to the radio, babe. I don't know what the hell they're saying, but it sure don't speak to me. Well, I don't know where I'll be tomorrow. J'ai un doute sur où je pourrais rattraper. Allez. I've been driving, driving on down the highway, trying to find the right way in a world that's gone a little crazy. And I've been listening to the radio playing. I don't know what the hell they're saying, but it sure don't speak to me. Well, I don't know where I'll be tomorrow. Right. But I know that time can change, but it won't change me and you. I took the good times, I'll be there through the bad. I'll never leave your side, whatever we're going through. By and by. Change, but it won't change me and you. I
tell me, will we ever learn? Là, le confinement, il commence à prendre un peu de place dans ma tête aussi. C'est pas, faut que je lutte pour, faut que je lutte. Bon, on boit un petit coup. Allez. Donc la dernière, Little Country Race, qu'on a fait, qui est une révision pour nous, mais peut-être il y en a qui l'ont apprise. Donc c'est une belle musique. Bon, la chorégraphie, elle n'est pas trop dure non plus. Alors, donc, Little Country Race, je regarde le téléphone si c'est OK. Alors, j'ai chaud, ouais, moi aussi. Donc... Alors, Little Country Race. Donc, c'est pour ça, toutes les débutantes nouvelles qu'on a fait, c'est vrai que moi-même, on aura besoin de les refaire entre deux. Parce que, alors, ça, comme ça, toute la semaine prochaine, entre deux, ben, je remettrai toutes les nouvelles danses, plus bon, on a un peu de révision aussi. Mais ça permet aussi à nous de pouvoir les réviser aussi. Hein. Donc on va faire une weave à droite, donc weave, je décompose, donc c'est vine à droite, cross, donc weave à droite, la dernière, c'est la dernière danse. Hein. On va mettre le pied droit à droite, donc on va faire un stomp droit, on va rentrer donc le talon, la pointe et le talon. On va refaire ça. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, on va déplacer le pied gauche à gauche. On va faire un kick croisé avant droit. Kick. On repose le pied droit. On fait un kick croisé avant gauche. Kick. On repose le pied gauche pour faire un vine à gauche avec un quart de tour. Donc, on va poser le pied gauche. Donc, on va faire un vine à gauche, quart de tour. Quart de tour avec un scuff. Scuff droit, avant droit. On refait avec les comptes. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On pose le pied droit devant. C'est un peu comme la courée d'avant. On touche derrière. On repose gauche. On fait un kick avant droit. On pose droit derrière. Et là, c'est un hook. Hook. On pose et on fait un scuff. Donc la fin, elle est facile. Scuff avant droit, on va faire un premier jazz box, quart de tour à droite, jazz box normal. Donc, un premier jazz box, quart de tour à droite, voilà.
Et le deuxième jazz box, quart de tour, à droite, sera cross. Donc 5, 6, 7 et 8. La danse, elle est finie. Hein, on la reprend ici. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais la faire à 6 heures, on va mettre un peu de rythme. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, j'ai fait à peu près le rythme. Il y a un seul petit tag, une rajoute de 4 comptes. Donc, la troisième fois qu'on va venir à 6 heures, à la fin de la danse. Donc, il n'y a pas à se tracasser, il faut couper la danse à un moment donné. Donc, on aura fait donc le deuxième jazz box. Voilà, on rajoutera pied droit devant, touch, petite diagonale en fait. Pied droit devant, touch, et pied gauche derrière, touch à côté. 1, 2, 3, 4. Et de là, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dans la danse. Et aussi, le final, on finira, on fera pas le quart de tour. Le deuxième jazz box, je ne sais plus comment c'est, mais je sais qu'on ne fait pas le quart de tour pour finir face à 12 heures. Donc, Little Country Race. Allez, c'est la dernière pour aujourd'hui. Revision. Deuxième, on repart. Ron's ready out in his cab to take somebody home tonight. And there's Bob the Bouncer, always counting on a fight. Oh, we gotta keep swinging, boys, swinging. Gotta keep those Bob bands singing. Gotta keep those neon lights on in this place. Survival of the whole.
Donc c'est ça. Donc on fait le premier jazz box, on arrive là. Et le deuxième, on le fait là. Donc je le dis pour moi. Donc parce que j'étais déjà partie pour faire le demi-tour, le demi-tour à droite. Mais en fait, le premier, il est là. Donc on fait premier 1, 2, 3, 4. Et le deuxième, on le fait face à 12 heures. Bon, ça reviendra à l'usage. Hein. Ça reviendra à l'usage. Autant qu'on n'a pas été au bal, donc c'est normal. Hein. Voilà. Bon, ben. Donc demain, ben, on va revoir une partie des danses d'aujourd'hui. Je ne vais pas changer grand-chose, je pense. Et puis, puis vendredi, il y aura un mini-bal, donc je vais alterner un petit peu toutes ces danses qu'on a fait toute la semaine. Et puis, voilà, hein, donc on aura fait une bonne semaine de révision. Je vais retravailler bien la danse donc Redneck, Baby Redneck, qui est vraiment bien. J'étais trop concentrée. Puis la musique, je suis un peu sensible, donc la musique me plaît, et donc c'est difficile. Donc voilà, donc c'est vrai que on lutte tous pour tenir jusqu'au 11 mai, quoi. Ça devient oppressant quand même. Hein. Bon. Je vous dis à demain alors, si vous voulez bien. Hein. Donc, ça sera à peu près comme aujourd'hui. Je pense que je ne vais pas changer grand-chose. Donc, toutes les danses d'aujourd'hui, mais j'en changerai peut-être une ou deux, mais en gros, ça sera à peu près pareil. Hein. Bah, je vous dis de passer une bonne soirée. Merci, merci d'être là. Et puis Francesca, demain, on refait ta danse, hein, t'inquiète. Et puis vendredi, elle sera dans mon petit mini-bal. Donc aujourd'hui, je me suis plantée la deuxième fois. Non, c'est. Voilà. c'est pas facile. Voilà. Je vous dis bonsoir, à demain. Et puis dansez bien, en tout cas. Hein. Allez, ciao.